Et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir en si grand nombre en cette belle soirée. Vous êtes plus que 200 à vous être inscrits. Nous avons naturellement une super brochette d'invités. Cette soirée est rendue possible grâce au réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal ainsi qu'au Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Vous allez voir, même une fois qu'on a quitté notre belle université, il reste encore des « mamans » entre guillemets qui s'occupent de nous et qui nous aident dans notre cheminement de carrière, tout spécialement si vous voulez devenir entrepreneur. Et c'est ça qu'on va discuter ce soir. On va discuter avec trois vétérinaires qui ont marqué l'histoire de la profession et qui ont des cheminements et des parcours vraiment particuliers. Alors, je me présente, je suis Dr. Hélène Perra, je suis moi-même vétérinaire et j'ai la chance de connaître nos trois entrepreneurs personnellement. Avant de vous les présenter, je voudrais, je vais tout de suite vous les présenter. Alors, on enchaîne avec notre premier invité, Dr. Roger Sauvé. Dr. Sauvé est le cofondateur de la clinique vétérinaire Saint-Louis. Embryobec. Il est naturellement dans les grands animaux. Il fait aussi partie de la plus grande famille de vétérinaires au Québec, la famille Sauvé-Dépôt. Vous allez voir, je suis incapable de vous voir, Dr. Sauvé. Je viens de son patelin de la rive sud de Montréal. J'ai grandi sur une ferme laitière et quand on parlait de Dr. Sauvé, c'était le grand Manitou de la génétique. J'y vous un respect infini. Alors, on a la chance pour les grands animaux de l'avoir ce soir. Ensuite, nous avons Dr. Céline Leheurteux, que je connais très bien personnellement. J'ai l'immense plaisir de travailler avec elle et aussi, je dois l'avouer, ma meilleure amie. Nous avons gradué les deux en 99. Céline s'est dirigée vers les petits, la pratique des petits animaux. Elle fait encore des heures en pratique des petits. Et il y a 6 ans, elle a décidé de créer une housse mortuaire pour les animaux de compagnie qui allait s'appeler Eutabag. La housse se retrouve maintenant dans 24 pays. Elle est utilisée par 9 écoles vétérinaires, dont la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, qui l'utilise pour tous ses petits patients. Alors, bienvenue à Céline qui a révolutionné le domaine de l'euthanasie et de la fatigue compassionnelle. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, docteur Sébastien Foury. Sébastien porte plusieurs chapeaux. C'est le président du groupe Vétéri Médic. Il est aussi le directeur médical des centres vétérinaires Rive-Sud et Laval. Donc, c'est un centre pour les petits animaux. Et il est aussi, on le voit depuis plusieurs années à l'écran, dans plusieurs émissions, dont Les Poilus, Animaux et tout récemment l'excellent docu-réalité Docteur Sébastien Vétérinaire. Donc, merci à tous d'avoir répondu en si grand nombre à cette belle soirée. Avant de procéder avec les questions, les blocs de temps, j'aimerais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Donc, on va commencer par un bloc de 3 questions à chacun de nos panélistes. On va, grosso modo, avoir 10 minutes pour chacun des panélistes. Et ensuite, on va procéder par la magie du web. Nous allons être séparés en 3 groupes et chacun des panélistes va être dans un groupe. Vous n'avez rien à faire, tout va se faire automatiquement et ça va être votre chance de poser vos questions. Donc, notez-les sur un bout de papier, soyez pas gênés, ils sont là pour vous et vous allez pouvoir leur poser des questions directement. Donc, est-ce que j'oublie des points? Je crois que non. Alors, nous allons, sans plus tarder, nous allons débuter avec Dr. Sauvé.
Docteur Sauvé, ça va bien? Est-ce que le micro ça est va ouvert? Hélène. Oui, super! Bon, avec le web, hein, on va peut-être passer à Infoman ce soir. On ne sait pas si on a des petits problèmes. Alors, vous avez une super belle carrière. Vous avez vraiment contribué à augmenter la génétique des Holstein au Québec. Pouvez-vous nous parler, là, en 3-4 minutes, de votre parcours depuis que vous avez quitté, depuis que vous avez eu en poche votre diplôme de médecin vétérinaire? D'abord, bonjour tout le monde. Disons que j'ai grandi, j'ai été influencé car j'ai grandi sur la ferme laitière familiale située en Montérégie. Je suis la promotion 1976 de la faculté de médecine vétérinaire. Mon premier emploi, c'est un vétérinaire en pratique solo qui avait 22 ans d'expérience chez les grands animaux et chez les petits animaux. Alors, à la fin de ma première année comme employé, il m'a dit « Prends les fermes et moi, je vais garder les petits animaux ». Alors, pendant près d'un an et demi, j'ai donc dû travailler seul, parfois des journées interminables à rendre presque fou. En 78, avec une clientèle sans cesse grandissante, je recherchais quelqu'un. Je me suis associé avec le docteur Paul Baillargeon, qui était devenu mon beau-frère quelques mois auparavant, et qui prenait dans une région voisine. Deux régions essentiellement à vocation laitière, mais aussi où on retrouvait quelques troupeaux de boucherie. C'était le début d'une belle grande aventure professionnelle. D'abord, la construction de notre clinique vétérinaire ici à Saint-Louis-Gonzague. On touchait à peu près de tout à l'époque, les bovins principalement, mais aussi les chevaux et les petits animaux qu'on a finalement délaissés au milieu des années 80. Deux grandes orientations ont été à la base de notre service en pratique bovine. Déjà, à cette époque, le nombre de troupeaux diminuait, mais le nombre de bêtes par troupeau augmentait. La mise en place d'un mode de gestion de la santé était devenue un besoin. La solution, la tenue de dossiers individuels informatisés. Mon collègue Paul a beaucoup réfléchi au contenu de ces dossiers. À coups de chiffrier, tout en utilisant les fermes qu'il visitait, un peu comme ses laboratoires. Il faut dire qu'il avait de très bons collaborateurs dans la clientèle. Ça l'a mené à être un des cofondateurs d'un projet de recherche qui, éventuellement, a conduit à développer le logiciel DSA, maintenant utilisé par plus de 80 % des médecins vétérinaires praticiens en industrie laitière au Québec. Ça va toujours? Oui! Autre étape majeure sur nos services offerts, la transplantation embryonnaire. Dans les années 70, la technique, d'abord chirurgicale et très coûteuse, s'est raffinée pour rendre possible le prélèvement des embryons par des voies naturelles. Technique moins, évidemment, moins traumatisante pour l'animal. En 1980, nous sommes devenus, tout comme une poignée de praticiens, d'autres praticiens, un des pionniers de la technique en offrant ce service directement à la ferme. Les embryons récupérés sur des vaches à haut potentiel génétique étaient alors transplantés dans des receveuses dites porteuses, généralement du même troupeau. Au cours des ans, d'autres techniques s'y sont greffées, dont la congélation des embryons, étape majeure qui permettait dorénavant de conserver les embryons pour une période indéfinie dans le temps, et même de rendre possible l'exportation de ces embryons. Chez nous, à ce jour, au-delà de 150 000 embryons ont été produits. On n'a pas tout fait ça seulement à deux vétérinaires. En moins de 10 ans, on est passé à 9 vétérinaires, devenant le plus grand regroupement de vétérinaires dédié exclusivement à l'industrie bovine au Québec au début des années 90. On était des développeurs, des entrepreneurs. Voilà. Bien, c'est vraiment fascinant. Il ne faut pas compter de mensonges parce que je vois que Paul Baillargeon, votre beau-frère, est en ligne avec nous ce soir. Alors, je voudrais personnellement, au nom de tous les producteurs agricoles du Québec, leur descendance, toute la profession, vous féliciter parce que vous avez vraiment fait un travail grandiose. Je peux en témoigner de la part de mes parents. Donc, on parle souvent des défis d'être vétérinaire en région pour les grands animaux, les problèmes de recrutement,
mais il doit quand même avoir des aspects positifs. Pour vous, quels sont les points positifs de travailler en région et d'être vétérinaire entrepreneur? Bien, chez nous, dès le début, on a fait un choix. Que le client soit servi par le même vétérinaire. Cette formule s'est avérée gagnante. Assurer un suivi qui était sans assurer un suivi à la ferme sans répétition par le même professionnel que les producteurs connaissent bien et qui connaît bien les bêtes du producteur. D'ailleurs, c'est encore le souhait des clients aujourd'hui. Dans mon cas, au cours de mes 44 ans de carrière, j'ai même travaillé avec 3 générations sur certaines fermes familiales. D'abord, on joue un rôle de professionnel de la santé. Les responsabilités des propriétaires d'entreprises agricoles sont devenues énormes, que ce soit au niveau des employés, des variations dans le prix de leurs produits, le lait, la viande ou autre, construire une nouvelle étable pour plus de confort. On parle de plusieurs millions de dollars dans bien des cas. Alors, la performance et la santé des troupeaux sont vitales pour ces entreprises. Un autre aspect de la pratique, c'est qu'à l'occasion, on doit travailler en collaboration avec d'autres intervenants, des nutritionnistes, par exemple, pour trouver des solutions à certains problèmes. On croise beaucoup de gens sur les fermes. On se bâtit un réseau de personnes qui peut mener vers de nouveaux débouchés. D'ailleurs, les données qu'on recueille sur une technique particulière, l'expérience acquise et reconnue à divers niveaux, nous a amené au cours des ans à voyager en Italie, par exemple, ou au Brésil, pour partager nos connaissances sur les techniques en transfert d'embryons. À agir comme consultant dans une mission, dans une mission au Pakistan, à une époque où c'était un peu plus sécuritaire. À se rendre en Espagne pour rencontrer des éleveurs à qui nous avions organisé l'importation des vaches canadiennes qu'ils avaient achetées dans le but de produire des embryons pour leur propre commune. Et j'en passe. Encore aujourd'hui, on produit des embryons pour nos clients qui sont exportés annuellement dans environ une douzaine de pays, la plupart du temps par l'entremise d'un réseau d'exportateurs collaborateurs. À travers tout ça, on a accueilli de nombreux étudiants canadiens et étrangers à la recherche de formations cliniques de pointe avec qui nous avons tissé des liens. D'ailleurs, des visites dans certains pays étaient la résultante de l'accueil d'étudiants étrangers. Sur le plan humain, un côté de la pratique qui m'a beaucoup marqué, c'est la relation privilégiée qu'on développe avec ses clients. Avec le temps, beaucoup d'entre eux deviennent des amis. Les clients nous racontent leur histoire. Certaines histoires sont marquantes. Parfois, on devient un confident, presque un psy. Cette relation nous motive à tous les jours. Mais tout ça, ça se bâtit à coup de gestes de confiance. Demander à une praticienne ou un praticien qui a cessé de pratiquer chez les grands animaux pour X raisons, qu'est-ce qui leur manque le plus? La réponse est toujours la même, la clientèle. Voilà. C'est vraiment touchant et vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment large, tous les champs d'action que vous avez, tous les chapeaux que vous devez porter à la fois dans votre domaine. Et finalement, pour conclure ce bloc, premier bloc de questions, quand on parle de vétérinaire propriétaire dans les grands animaux, comment vous décrivez l'évolution de la pratique, du modèle d'affaires puis de la relève? Comment vous voyez ça? Il y a plusieurs aspects. Je vais n'en nommer que quelques-uns. Comme je l'indiquais plus tôt, les fermes laitières sont de grandes organisations, somme toute familiales, très modernes, avec un nombre croissant d'animaux, dans un confort à rendre jaloux certains CHSLD en pleine canicule. Pour le vétérinaire, une visite peut facilement prendre de 2 heures jusqu'à une journée entière sur la même ferme. Alors que, par exemple, au début de ma carrière, on pouvait faire jusqu'à 20 visites dans la même journée. Les temps ont changé énormément. Les producteurs sont très informés et capables d'intervenir sur plein de petits problèmes récurrents. Pour nous, les appels d'urgence ont beaucoup diminué, mais en région, un service 24/7 demeure essentiel. Les interventions à la ferme sont très souvent regroupées lors d'une visite qui se répète aux 2-3 semaines. On fait davantage la prévention des maladies, on traite les cas-problèmes non urgents. Le suivi de la reproduction occupe une place prépondérante dans les troupeaux laitiers. L'échographie est un service très apprécié pour les producteurs.
pour les diagnostics précoces de gestation, par exemple, la détermination du sexe du fœtus ou pour identifier certaines pathologies. J'en parle parce que c'est un exemple d'acte qui appartient aux vétérinaires, un outil précieux pour nous car on peut désormais observer des conditions de fertilité embryonnaire ou les gémellités à l'occasion. Il faut continuer à pousser nos connaissances afin que notre travail demeure essentiel pour le producteur. De nouveaux services de laboratoire nous rattrapent à l'occasion. C'est parfois un peu plus marché. Est-ce équivalent à ce qu'on offre comme service? Est-ce qu'on peut en offrir sûrement plus? Notre atout, c'est la formation continue. Il faut innover. Je l'ai souvent dit, un peu la blague, ce que j'offre comme service aujourd'hui, je ne l'avais pas appris à l'école. On étudie durant toute notre carrière. Les producteurs apprécient grandement également quand on prend le temps d'expliquer, surtout à la jeune relève, les fonctionnements, le côté médical, etc. Pour la relève d'aujourd'hui et de demain, qui provient en bonne partie des villes, le milieu agricole et la pratique vétérinaire qui y sont associés vaut la peine d'être explorés. Ce que je conseille aux étudiants ou aux jeunes diplômés, si une opportunité se présente, allez en région découvrir ce monde fascinant de l'agriculture et des grands espaces. Mais attention, peut-être que vous allez vite oublier la ville. D'ailleurs, dans les régions rurales, il y a différents modèles d'affaires qui semblent bien réussir. Soit des pratiques exclusives chez les grands animaux, comme la nôtre, ou des pratiques exclusives chez les petits animaux, ou encore des pratiques mixtes avec des cliniques vétérinaires bien équipées où il est possible d'échanger certaines technologies et surtout de partager des ressources humaines. C'est dans les régions éloignées qu'il y a un problème criant. Les défis sont énormes pour les vétérinaires qui se retrouvent très souvent seuls en pratique. Là aussi, il y a peut-être de belles surprises qui vous attendent. Prenez le temps de connaître vos forces et limites. Prenez le temps de connaître les gens avec qui vous travaillez. C'est déterminant, surtout quand on devient actionnaire d'une entreprise. Dans mon cas, après 44 ans, j'ai pris la décision d'accrocher mon stéthoscope au 31 décembre dernier et de laisser la place à la jeune relève en qui j'ai très confiance et qui m'impressionne beaucoup. Excusez-moi. Non, mais vous avez un parcours, je pense que tout le monde peut le voir, là, puis c'est une affaire de famille. Je pense que pour ceux qui ne savent pas, votre fille a démarré sa clinique vétérinaire tout récemment. Donc, c'est je pense au nom de tout le monde, là, vous représentez le passé, le présent et l'avenir de la médecine vétérinaire. Pas juste au Québec, même au pays. On essaie. On essaie de donner l'exemple, on essaie de continuer à encourager les jeunes. Merci. Mon Dieu, on a déjà des moments émotifs. Wouh! Bon! Alors, merci Dr. Sauvé, restez avec nous. On va enchaîner avec notre deuxième invitée, Dr. Céline Leheurteux. Alors Céline, parle-nous un peu de ton parcours depuis 99, l'année que tu as obtenu ton diplôme. Mais là, tu sais, j'ai le cœur qui palpite comme vous. C'est vraiment, tu sais, la MedVet, c'est vraiment une histoire de passion. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. T'sais, moi, je voulais être vétérinaire depuis que j'ai 8 ans. C'était comme une obsession. C'était une raison de vivre. Je ne pouvais pas m'imaginer à ne pas faire ça. Puis j'ai eu la chance de pratiquer depuis la fin de mes études dans l'établissement voisin de Dr. Sauvé. Puis aussi un énorme respect puis une fascination pour les vétérinaires des grands animaux qui sont capables, comme tu dis, Hélène, là, de manipuler tellement de se faire en même temps, c'est remarquable, comme des entrepreneurs, en fait, ça me fait penser. C'est tout un parallèle. Donc, moi, en fait, j'étais très, très motivée par l'écologie, l'environnement. J'aurais aimé œuvrer là-dedans. J'ai un petit peu plongé là-dedans après ma graduation pour me rendre compte que, malheureusement, les universités regorgent de connaissances et que c'est très triste, mais on dirait que les gouvernements ne les écoutent pas. J'étais comme, c'est pas comme ça que je vais faire une différence. C'est pas en agissant dans ce domaine-là, alors que les gouvernements ne considèrent pas mes recommandations. Fait que je vais plutôt faire de la pratique des petits animaux parce que j'aimais vraiment ça, j'avais un intérêt très fort. Puis je vais moi-même faire un projet qui va me permettre de faire un impact tout petit sur l'environnement, mais que je vais être certaine que ça va se faire. Donc, j'ai décidé moi-même de reforester différents
différents endroits de la planète. Là. Je veux pas, mais en tout cas, des propriétés. Je me suis dit, voici des propriétés qui sont endommagées, puis je vais les reforester puis donner un habitat aux animaux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi œuvré, j'ai fait un peu des campagnes de stérilisation parce que j'y crois énormément. Et aussi, après ça, j'ai fait un cours en médecine alternative. Puis après ça, j'ai débuté, j'ai conçu et lancé le produit Eutabag, il y a 5 ans. C'est ça mon parcours. Parcours impressionnant. Je peux témoigner que Céline en a planté des arbres dans sa vie. Et elle en a sauvé des écureuils. Aussi. Et puis, aussi. J'ai oublié de le dire, mais Hélène, on étudie ensemble, Hélène et moi, avec Sébastien, François Bellefeuille, Louis Huneau et toute la brochette, toute une promotion. Excuse-moi, je t'ai coupé, chère. Vas-y, je le fais souvent. Je voulais juste dire que la première fois que j'ai rencontré Dr. Céline Lurtu, elle avait un bandana autour de la taille et elle allaitait, faisait boire au biberon un écureuil, moi qui arrivais d'une ferme et qui, en tout cas... Donc, c'est ça. Ça a commencé comme ça, notre relation. Ça n'était pas la table. Hein? Tu pensais vraiment qu'on finirait jamais jamais. Exactement. Pourtant, les Tostitos nous ont rapprochés et les parties de l'université. On va... On m'écoute. Faut se détendre. OK. Donc, prochaine question. Comment t'en es venue? Qu'est-ce qui, dans ta carrière, a déclenché Eutabag? Comment t'en es venue à dire « ma housse mortuaire, c'est ça qui va être ma carrière d'entrepreneur? » Bien ça, c'est la question que j'ai tout le temps. C'est un grand classique. Puis, en fait, ma réponse, c'est que j'ai calculé que j'ai euthanasié à peu près 5000 animaux avant de me lancer là-dedans. Fait que, tu sais, comme 5000 fois, j'ai mis tout mon cœur à essayer d'accompagner les gens et les animaux dans cette fin de vie-là, dans le privilège qu'on a de mettre fin à la vie des animaux. Puis, quand j'ai réalisé après plusieurs années de pratique l'impact que ça avait sur les gens dans le temps, que c'était c'est un souvenir qui allait perdurer pour toujours dans leur tête. Ça m'a pris des années à comprendre ça, parce que je n'avais pas été formée pour ça à l'école. On n'en parlait pas à l'université. On n'en parle toujours pas vraiment. C'est comme un peu tabou. Mais là, je me suis dit, fait que là, je me suis formée là-dedans. Puis là, j'ai développé une technique là, pour aborder comme il faut cet acte sensible. Là, à la fin, j'étais comme pris pour mettre des animaux que les gens adoraient, puis ils étaient dans mes bras en train de pleurer, puis là, j'étais obligée de me cacher pour mettre leur animal dans un sac poubelle. J'étais comme, voyons donc. T'sais, depuis toujours, j'ai une fascination pour la médevette, puis je suis extrêmement fière de ce qu'on fait. C'est juste incroyable le niveau de soins qu'on donne aux animaux. Pour moi, c'est impeccable. J'en suis fière de tout ce que je fais. Il y avait juste ce moment-là que j'étais comme, arc, pourquoi il faut que je me sente mal? T'sais, d'habitude, je montre tout ce que je fais. Puis je dis ce que je fais, puis je fais ce que je dis, puis c'est tout à fait transparent. Puis là, j'étais obligée de vivre comme dans une espèce de tourment. J'haïssais ça. Puis en plus, moi, j'ai été élevée dans une famille où l'entrepreneuriat était très valorisé. Je commençais à vendre la crème glacée, j'avais 11 ans sur un triporteur devant Rivière-des-Prairies, devant des Révélos. Puis j'étais comme, oh! Tu sais, j'ai cherché une option sur le marché. Partout, là, dans le monde, je trouvais rien. Parce que c'était des produits qui avaient été conçus par des gens qu'ils n'utilisaient pas. Puis là, ben, j'ai fait comme, oh, OK, ouais, je vais pouvoir faire une différence, je vais pouvoir avoir mon entreprise, avoir une certaine liberté, puis faire une différence dans mon domaine. C'est un peu ça, la patente. Parfait. Et je sais que la prochaine question t'est chère. Se lancer en affaires, ça comporte beaucoup de risques. Est-ce qu'il y a des pièges que tu aimerais parler, des pièges à éviter, là? Ben oui, toi chose, parce que pour moi, le piège, là, c'était de partir, de continuer une famille. Moi, j'ai commencé le projet, j'avais eu mon premier enfant, j'en avais un deuxième qui venait de naître, puis là, j'en ai une troisième qui est arrivée en même temps. Fait que ça a vraiment été le défi suprême, puis combien de fois que je m'apprends en tête, puis je suis comme, mais comme, c'est quoi l'idée de partir une entreprise et puis d'avoir des enfants en même temps? Donc, tu sais, c'est vraiment de préparer le terrain. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'aide énormément, puis dans le fond, qui a pris la relève sur la famille pour que je puisse me dédier à l'entreprise, parce que c'est tellement, ça devient tellement obsessif, ça devient... T'sais, à la limite, moi, des fois, je me demande si ce n'est pas un trouble de la personnalité, l'entrepreneuriat, parce que c'est tellement obsessif. Tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu te couches, tu n'es comme pas capable d'arrêter, il y a tellement de choses à faire, c'est d'être capable de juste l'équilibre, n'est-ce pas? Tout le monde parle de ça, là, mais l'équilibre, c'est le grand challenge dans la vie personnelle, vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est un peu comme les enfants, c'est quand le moment parfait?
Mais je pense que vraiment, l'entourage, ça prend un entourage qui est très disponible parce que sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, on est très sujet de faire d'épuisement. Et je tiens à souligner que Céline a eu un autre enfant depuis. Donc, elle a 3 enfants. Et en plus, elle habitait sur un camp de jour ou un camp équestre où il y avait 27 chevaux, je crois. Donc, tu t'occupais. Oui, puis surtout à 65 enfants, 24-7, mais ouais. Donc, oui, c'est ça. Puis là, l'entreprise a 5 ans. On s'élève les 5 ans maintenant. Mes enfants ont 6, 9 et 12 ans. Donc, bravo. Eh bien, merci beaucoup, Céline. On te garde avec nous. On s'en va tantôt dans les breakout rooms. Alors, Bonjour, Hélène. Hélène m'a dit de faire la voix off quand ce serait nécessaire. Donc, je suis la voix off pour ce soir. Hélène, Sébastien Coury a des problèmes de connexion, malheureusement. Je suis là. Ah, bon, ouais. Parfait. On ne te voyait pas. Formidable. Alors, la voix off sera OK. Me voyez-vous? Oui, on te voit bien. Okay. Salut Sébastien, ça va bien? Très bien, très bien. Vous voyez mon superbe accoutrement de téléphoniste? Bonjour. T'es en deux transplantations de rate, là? Non, mais j'avais une endoscopie pour des petites lames de rasoir à finir avant de commencer la consultation. Oui, c'est ça. C'est fait. Oh my God! Bon, écoute, on va être efficace. Parle-nous un peu de ton parcours depuis que tu as obtenu ton diplôme. J'ai gradué en 2000 de la faculté de médecine vétérinaire. J'ai fait un internat, ensuite un an à la faculté aussi en petits animaux. En fait, moi, quand je suis rentré en médecine vétérinaire, je voulais aller en chirurgie équestre. Et puis, pas équestre, mais équine. Et puis, finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que la médecine des petits animaux est vraiment allait plus avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire la qualité médicale, pousser beaucoup et puis avoir aussi le côté émotif, le côté plus... membre de la famille que les animaux de compagnie peuvent offrir. Donc, je suis allé en médecine des petits animaux. J'ai commencé ici au centre, c'est l'hôpital vétérinaire Rive-Sud à ce moment-là, quand j'ai commencé ici en 2001 après mon internat. Et puis, je suis là depuis ce moment-là. J'ai fait un petit peu de remplacement dans les cliniques de médecine générale aussi. Je voulais faire ma spécialisation en chirurgie, mais je me suis rendu compte que j'étais plus quelqu'un qui aimait toucher à tout, en fait. J'ai un peu un déficit d'attention non traité depuis longtemps. Et ça fait que j'aime bien faire plein de petites choses, être entouré de plein de monde, puis d'être stimulé, puis de partir plein de projets. Et heureusement, j'ai une grande équipe qui me permet de les finir, ces projets-là. C'est pas moi qui les finis. Donc, j'aime aussi faire de la communication. Donc, depuis longtemps, je faisais des courts-métrages, de la télévision, du théâtre. Et donc, ça m'a toujours un peu suivi, cet intérêt-là, même au cégep, j'aimais ça. Et puis, quand je suis rentré en médecine vétérinaire, j'ai commencé à agir comme chroniqueur dans certaines émissions de télévision, à Radio-Canada, puis à Télémétropole, mais c'est pas Télémétropole, j'ai fait les deux filles le matin, donc à plusieurs à différents réseaux. Et puis, ensuite, j'ai commencé à faire des émissions aussi, ma propre émission qui s'appelle Animaux à Radio-Canada par la suite. Et depuis ce temps-là, je suis dans les médias et j'adore ça. C'est l'autre partie de mon cerveau qui fonctionne, c'est-à-dire le côté plus artistique. Et le côté communication, j'aime beaucoup faire comprendre la médecine vétérinaire, la réalité de la médecine vétérinaire, pourquoi j'aime ce travail-là, que je pense que c'est un des plus beaux métiers. Puis faire comprendre aussi l'arrière-scène. Des fois, c'est une carrière qui est un peu mystique pour plusieurs personnes. Tout le monde, il y a plusieurs. Vous allez entendre les vétérinaires l'entendent souvent dire « Ah, j'ai toujours voulu être vétérinaire quand j'étais petit » ou « J'ai toujours voulu, mais j'ai… » Et puis, des fois, on a un côté un peu plus jovialiste de cette carrière-là. Puis c'est bon aussi que les gens comprennent qu'on est des médecins, qu'on est des impondérables aussi de médecine, d'argent, que c'est complexe de traiter un animal parfois quand c'est pas le patient qui prend les décisions pour lui-même, puis que c'est quelqu'un d'autre qui prend ces décisions-là. Donc, ça fait partie aussi de ce que j'aime faire, c'est de faire comprendre qu'est-ce que c'est cette carrière-là et ce travail-là, puis d'une façon ludique ou d'une façon qui passe bien.
Ouais, alors, je suis président du groupe Vétérimédic, qui est un groupe de 13 hôpitaux vétérinaires, donc 3 centres d'urgence et puis des hôpitaux de médecine générale dans la région, grande région de Montréal. Et puis, là, on est rendu à 700 employés, des vétérinaires, des spécialistes. C'est aussi très stimulant, cette partie-là de ma vie en tant qu'entrepreneur et gestionnaire aussi en même temps. Donc, je fais un petit peu de tout. Et puis, j'ai des bonnes équipes pour m'aider à faire tout ça. Mais justement, parle-nous un peu de l'évolution du rôle, les responsabilités du vétérinaire propriétaire là, depuis. Ça fait quand même un petit bout là, que tu portes les chaussures du vétérinaire entrepreneur. Parle-nous de l'évolution du rôle. Oui. En fait, moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté des parts à Dr. Gosselin, qui était le fondateur de l'hôpital vétérinaire Rive-Sud en 2006. Donc, ça fait 5 ans que je travaillais à l'hôpital. Ça faisait déjà 3 ou 4 ans que j'en parlais, que je voulais acheter des parts. Puis j'ai toujours eu cet intérêt-là pour être gestionnaire et entrepreneur. C'est sûr que le rôle a changé aussi avec le temps. C'est-à-dire, on se rend compte que les équipes deviennent... En fait, les vétérinaires veulent travailler dans des endroits multidisciplinaires qui vont avoir probablement tendance à devenir de plus en plus gros. Les hôpitaux vétérinaires vont avoir tendance à se regrouper ou à avoir des hôpitaux de plus de personnes. En fait, peut-être moins d'hôpitaux avec plus de personnes, mais ça implique aussi qu'on a dû s'ajuster avec le temps à la modification de... Avant, je me rappelle, on faisait des horaires de vétérinaires. On avait comme 5 vétérinaires, puis c'était ça. Là, mais là, les gens, les vétérinaires ont commencé à vouloir avoir un peu moins d'heures, d'avoir des horaires un peu plus stables. Les salaires ont augmenté, ils se sont améliorés. Ils ont peut-être été moins intéressés à investir ou à devenir entrepreneurs puis à devenir des co-actionnaires. Fait que je pense que j'avais l'impression qu'on serait plusieurs actionnaires à vouloir investir. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a comme peu de vétérinaires qui ont voulu prendre la relève avec le temps. Puis on est arrivé, nous, à une croisée des chemins un jour où est-ce que Dr. Gosselin voulait prendre sa retraite. Et puis, on en avait construit Laval. Et puis, on devait prendre des décisions. Soit on rachetait Dr. Gosselin ou on se rajoutait des co-actionnaires ou on allait vers des actionnaires qui étaient externes à l'hôpital. Puis, on a eu le choix de prendre cette décision-là, c'est-à-dire d'aller avec des actionnaires qui étaient à l'extérieur de l'hôpital. Donc, le groupe qui était dans ce temps-là, AVC, qui est devenu VCA par la suite et qui est devenu Mars International par la suite. Donc, on est devenu des copropriétaires à ce moment-là parce qu'on manquait de gens qui voulaient investir avec nous autres pour prendre cette grosse part du gâteau-là qui était trop grosse pour qu'on puisse la garder à nous tout seul. Ouais. C'est fascinant. Ça, peut-être pour la fin, on va poser une question après les breakout rooms, mais de nous parler justement des jeunes, tes ouais. conseils, s'il y en a qui veulent justement s'impliquer dans la pratique des petits. Mais l'aspect télévision est tellement fascinant. Qu'est-ce que le fait d'avoir une grande présence à la télévision a amené dans ta carrière, puis aussi a amené à la profession, selon toi? En fait, c'est sûr que dans ma carrière, moi, j'aime beaucoup, en fait, être généraliste, c'est pouvoir faire un peu de tout, en fait, d'être, et puis c'est vraiment ancré dans ma personnalité, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, bon, j'ai toujours beaucoup aimé l'ophtalmologie, j'ai beaucoup aimé la chirurgie, j'avais ces intérêts-là comme généraliste, la dentisterie aussi également, j'ai été capable de développer ça parce que je travaillais dans un hôpital qui pouvait offrir ce genre de services. Là, puis j'étais côtoyé par des spécialistes, par des gens qui ont été capables de me former également après mon internat. Mais de faire la télévision, ça correspond aussi à ça, c'est-à-dire cet intérêt-là d'avoir une autre dimension à ma carrière, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi routinière que si je faisais que de la médecine générale. Et ça vient vraiment répondre à ce besoin-là de... j'aimais beaucoup enseigner. Moi, quand j'étais à l'internat, j'aimais beaucoup enseigner aux étudiants. Quand on a des internes ou des étudiants ici, j'aime encore faire ça. Mais de faire la télévision, c'est d'enseigner au public, en fait. C'est de communiquer nos connaissances. Oui, on se fait poser souvent les mêmes questions. On a souvent les mêmes chroniques. On a souvent les mêmes... On a l'impression de passer les mêmes messages tout le temps. Mais c'est quand même le fun de le faire de façon différente. Puis j'essaie toujours de trouver des moyens de le faire. Comme là, l'émission Les Poilus que je fais en ce moment, qui est un talk show, mais qui est un magazine animal qui explique plein de choses sur les animaux, comment bien les soigner.
soigner, puis comment bien respecter la relation humain-animal qui est importante pour moi, que les gens apprennent à mieux traiter les animaux avec le temps. Mais on a trouvé une façon de le faire d'une façon qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus... Puis des fois, les gens, ce que j'essaie de faire, c'est que les gens qui n'ont peut-être pas l'intérêt pour les animaux, qui ont comme un a priori ou qui n'auraient pas tendance à écouter ce genre d'émission-là, bien, ils vont se faire attraper justement parce qu'il y a un côté très grand public, ludique, le fun. Puis finalement, bien, ils en apprennent. On change un peu leur perception. On leur apprend des choses qu'ils ne pensaient pas apprendre sur les animaux. Puis c'est un peu ma façon de faire avancer les choses. On a parlé de faire changer les mentalités sur le dégriffage, sur comment on adopte un animal, pas le voir comme un bien meuble, mais le voir comme une adoption, de toujours utiliser ce terme-là pour que les gens réalisent que c'est des animaux qu'on va avoir pour 10, 15 ans, 20 ans, des fois 50 ans si c'est un perroquet. Donc c'est important pour moi d'avoir une espèce de rôle de changer la mentalité des gens. Je l'ai vu changer, moi, avec les 20 dernières années, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire là, pour qu'ils voient les animaux pas comme quelque chose qu'on prend avec un coup de tête, mais vraiment qu'on va choisir comme on irait adopter. Je veux pas aller jusqu'à dire adopter un enfant, mais le processus est le même. L'idée est la même. Parfait. Je voudrais juste en profiter pour te féliciter et te remercier. Moi, je l'ai entendu souvent de la part des généralistes qui te remerciaient parce qu'ils ont parlé d'une procédure à des clients, puis ils disent « Ben oui, je l'ai vu à télé avec ce docteur Fourry. » Fait que tu as déjà fait une grosse partie de leur travail, puis surtout, tu abordes l'aspect aussi financier, fait que tu rends leur travail plus facile. J'aime beaucoup en parler de l'aspect financier, puis c'est quelque chose avec lequel je suis très confortable. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un centre d'urgence. On a des hôpitaux de médecine générale aussi, mais ça ne veut pas dire que... Mais je suis très confortable avec le fait que les vétérinaires valent plus que ce que les gens ont l'impression qu'ils valent. En fait, je pense qu'il y a depuis trop longtemps, les frais n'étaient pas assez élevés pour les vétérinaires, et je pense que c'est important que les gens réalisent qu'avoir un animal, ça coûte cher, et c'est un commitment, puis c'est le fun d'aller en parler. J'aime ça l'aborder dans les médias, parce que des fois, les gens ont l'impression que c'est une colle, ils vont te pogner. Ah oui, mais vous êtes cher. Eh oui, ça coûte cher d'être un vétérinaire, ça coûte cher d'avoir un hôpital de qualité puis de faire des bons soins. Puis donc, sachez-le, et quand vous allez juste prendre un animal, ben il va falloir que vous ayez prévu un budget pour payer pour le vétérinaire aussi. Parfait. Ben, merci Sébastien. On reste avec nous, on enchaîne tout le monde. Par la magie du web, on a les Luc Langevin de Zoom ici. On va être séparés en trois groupes et on va faire une rotation. Donc, vous n'avez pas besoin de rien faire. Ça va prendre à peu près une trentaine de secondes pour nous distribuer. Et c'est les conférenciers, en fait, les panélistes qui vont être changés de groupe après 10 minutes. Préparez vos questions, allumez vos caméras et mettez vos vêtements. Sur ce, on se revoit dans une demi-heure. Alors, je crois que nous sommes tous de retour dans la salle principale. C'est extraordinaire, la magie du Zoom. Je vous dis, si quelques mois, on va faire de la téléportation. Alors, tout le monde est là. C'est frustrant. C'est frustrant. Ouais. Il faudrait avoir comme 2 heures dans les breakout rooms. Oui, bien écoute, je pense que... Bien écoute, s'il y a des intéressés, c'est facile là, organiser. On a juste à lancer ça on a Anne et Karine. Je suis certaine qu'on pourrait brainstormer pour faire une autre soirée comme ça. Donc, c'est... écoutez, on m'a demandé de faire les petites... les perles de la soirée. J'étais surtout avec Céline, là. Si Sébastien ou Dr. Sauvé, vous avez des points que vous voulez ajouter. En gros, en résumé, j'ai noté... ça commence, entrepreneuriat, ça commence par une passion pour des animaux. Puis, ça évolue vers le développement d'une structure, d'une équipe, des affaires, puis ça devient... un mode de vie. Pour les trois personnes qu'on a vues, c'est vraiment un mode de vie, l'entrepreneuriat. Aller chercher des ressources, aller chercher du mentorat. Aussi, l'entrepreneur peut ressentir de la solitude. Il faut prendre le temps pour reconnecter avec sa passion, jouer avec les animaux, revoir des amis de la profession. Bien s'entourer d'une bonne équipe. Ensuite, faire confiance et déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Et pour contrer, sauf Sébastien, mais je le suspecte d'être un extraterrestre, j'ai tout le temps dit que c'est un extraterrestre, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant de talent et partout à la fois, mais ça, c'est entre lui et moi. Et finalement,
pour contrer la pénurie d'employés, ben, il faut avoir un projet intéressant parce qu'il y a une grosse compétition actuellement pour un des gros facteurs limitants de la profession, c'est vraiment le manque de professionnels qualifiés. Donc, en ayant un projet intéressant, attiré, on a plus de chances que les gens viennent à nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez, Sébastien, Dr. Sauvé, y a-t-il des points que vous voulez ajouter? Bien, moi, j'aurais dit juste, en fait, de toujours garder en tête que ton entrepreneur, c'est une façon de faire, en fait, d'offrir quelque chose au client qui va vers la qualité de la médecine puis le bien-être des animaux. En fait, quand on garde ça en tête, souvent, on a l'impression que ça faut penser, think outside the box, ou bien il faut trouver des façons hallucinantes de générer des profits ou comment je vais faire pour réussir à faire de l'argent ou m'assurer que mon entreprise va bien. En fait, quand tu t'assures que tu traites bien les animaux, que tu offres ce qu'il y a de mieux à l'animal puis au client, ça se fait tout seul. C'est niaiseux, mais c'est ça. C'est vraiment, c'est pas sorcier. C'est juste dire, OK, quand tu te poses la question, qu'est-ce que je devrais faire pour ma clinique, elle ne progresse pas, elle n'a pas des bons revenus ou je ne sais pas trop quoi. Et tu te dis, OK, bien, c'est quoi que je devrais faire pour que l'animal soit mieux traité, que le client, je lui offre les meilleurs soins, puis pas avoir peur d'augmenter les prix si c'est nécessaire parce que tu veux offrir tel service ou que tu veux que ce service-là soit rentable. Je pense que c'est vraiment ça. C'est quand les gens ont l'impression que c'est complexe d'être entrepreneur vétérinaire, mais si tu fais juste ouais, good medicine is good business, c'est exactement ça. Je ne sais pas si c'est Roxane qui a dit ça. C'est exactement ça. Puis c'est niaiseux, mais c'est ça. C'est tout. Parfait. Ben, écoutez, avant de finir, on va poser une dernière question. La question qui tue. Alors, on va suivre l'ordre juste pour ne pas mélanger. On va commencer avec Dr. Sauvé. Ça va être la même question pour vous trois. La médecine vétérinaire, c'est le plus beau métier du monde, on le dit souvent, on a la chance de travailler avec les animaux, de travailler avec des super clients, mais il y a aussi une charge émotive qui vient avec ça. Là, on doit combiner le rôle de vétérinaire praticien, la charge émotive, puis en plus celle d'entrepreneur. Avez-vous des trucs, des conseils pour que quelqu'un réussisse à combiner tout ça dans le même être sans être un extraterrestre comme Sébastien? Bien, pour ma part, les charges émotives, c'est parfois difficile à contrôler, je dirais que faut toujours, vous savez, on a beaucoup de pression de la part de la clientèle sur des traitements à faire ou des traitements qu'on devrait éviter de faire, il faut garder une indépendance professionnelle en tout temps. Il faut toujours garder ça en tête. La première chose qui est importante pour un vétérinaire, c'est de regarder son diplôme à peu près tous les soirs et puis dire « je suis un vétérinaire ». Businessman vient évidemment avec la profession. C'est important de bien réussir. C'est important de faire les bons calculs. Mais faut se rappeler qu'on a cette chance d'être un professionnel de la santé vétérinaire. Et puis, c'est de l'exploiter au maximum. Puis, je rejoins les autres participants. Le développement, il n'y a pas de limite à ça. Apprendre à connaître nos forces et nos faiblesses également. Ça, c'est très important. Tantôt, il y avait une question sur est-ce que je devrais m'associer? Prenez le temps de vous associer aussi. Prenez le temps de bien connaître votre monde autour de vous. Est-ce que vous êtes à la bonne place? C'est très important. En terminant, je terminerai en disant les grands espaces, pensez-y. L'agriculture, c'est merveilleux. Avant de prendre une décision pour le futur de votre profession, jetez-y un petit coup d'œil à cette Moi, je t'en... Regardez, moi, je venais de la campagne, j'ai grandi sur une ferme. Regardez-moi, mon front, je n'ai aucun ride. C'est une beauté intemporelle. Je ne suis
Je pense que c'est plus la rime qui fait ça, Hélène. T'as bu beaucoup de lait. Oui, 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 directement du lait. Peut-être pas du lait pasteurisé non plus, mais t'as bu beaucoup de lait. Oui, on a bu du Roundup aussi. On a bu bien des affaires. Donc, maintenant, pour Céline, la même question. Ben écoute, je prends la balle au bon. Moi, je suis un exemple. Moi, Hélène, on se complémente tellement bien. Moi, je viens de la ville, puis je suis allée m'établir dans la région de Roger. Et effectivement, c'est en plus les tendances là, maintenant, avec ce qui se passe actuellement. Pour garder l'équilibre, ben moi, j'encourage vivement de capitaliser sur le fait qu'on a de la chance, un, d'avoir des animaux. Donc, dans notre vie. Et puis, comme je disais dans une chatroom, là, tu sais... quand je voyais ma collègue au départ de ma pratique qui était là puis qui flattait des animaux puis qui toilettait dans l'hôpital, je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là? Pas d'autre chose à faire, mais c'est une façon de se ressourcer puisque ce que je fais maintenant, juste prendre le temps d'interagir avec des animaux plus que dans juste leur injecter, faire des examens, ou avec des enfants, donc des êtres qui vivent dans le moment présent. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Puis c'est juste des petits breaks, ça n'a pas besoin d'être une journée au complet, là, c'est juste une question de minutes à la fois. Également, dans la sphère vétérinaire qui est énorme, la sphère, entre autres, nord-américaine, il y a plein de ressources. Moi, je trouve beaucoup d'inspiration et aussi, je me sens moins seule quand je vais sur les réseaux sociaux vétérinaires. Donc, il y a plein de groupes Facebook vétérinaires. Ça me permet de voir que je ne suis pas toute seule à avoir des cas de fous. Puis on peut vraiment aller chercher du support quand on a l'impression qu'on a fait une erreur ou qu'on est tout seul au monde. Puis non, tu n'es pas tout seul au monde. On est toutes dans la même affaire. Donc ça aide beaucoup. Il y a aussi plein de TED Talks hyper inspirantes. Puis tout ça, je les résume dans un webinaire sur Communivet d'ailleurs. Mais tu sais, il y a des choses qui sont là dont je n'étais pas consciente avant de préparer ce webinaire sur le bien-être. C'était juste explorer le domaine vétérinaire en ligne pour trouver du support. Il y a des podcasts extraordinaires pour les vétérinaires, juste pour les vêtres, là, sur notre réalité, l'industrie, comment dire non, etc. Ben super. Et finalement, Sébastien? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Céline, tu as rajouté aussi que Céline, elle n'a jamais mis de côté son désir de partir, de penser de sa vie d'une autre façon, à part plusieurs mois par hiver pour aller sur sa terre au Costa Rica qu'elle a développé, malgré le fait qu'elle est vétérinaire, qu'elle est entrepreneur, qu'elle a parti une business avec Eutabag. Puis ça, elle a toujours considéré que c'était possible de le faire. Puis chaque entrepreneur peut faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon seulement d'être 9 à 5 tous les 7 jours semaine, de travailler comme un débile. Tu sais, tu peux mettre tes limites. C'est-à-dire que si ta clinique, que tu pars, tu décides que tu n'es pas ouvert le samedi, dimanche, oui, ou que tu fermes à 5 heures, ou que tu es juste là de jour, ça se fait, ça. Il y a comme maintenant des structures qui peuvent prendre ces patients-là à l'extérieur de ces heures-là, puis pas capoter sur avoir l'impression que ta business, ça ne sera pas rentable ou elle ne fonctionnera pas. Tu vas trouver des clients qui fitent avec ce que tu veux comme business et qui va faire que ta vie va être heureuse. Souvent, je parle avec des vétérinaires, je me rends compte qu'il y en a qui se disent qu'il y a juste un modèle, c'est-à-dire qu'il faut que je sois ouvert jusqu'à 9h le soir, il faut que je sois ouvert le samedi, puis le dimanche, je suis ouvert le dimanche, mes clients vont ailleurs. Mais so be it, ils iront ailleurs, les clients, le dimanche. Puis ceux qui ne sont pas contents avec ce type de pratique-là, mais les autres qui trippent sur ta personnalité, sur la façon dont tu es heureuse, sur la façon dont tu prends du temps avec tes patients, ces clients-là, eux vont rester, puis tu vas avoir une business qui va... Oui, qui va avoir des revenus qui vont correspondre à ce que tu vas avoir comme vie. T'sais. Puis ça, je pense que la médecine vétérinaire nous permet ça. Puis l'autre chose, c'est que moi, je pense que c'est d'être capable de dire, d'être ouvert envers, même quand tu es entrepreneur, puis tes employés sont là, puis de leur dire, regarde, je ne sais pas comment régler ça, qu'est-ce que vous en pensez, je ne sais pas comment pas avoir cette espèce de poids-là que parce que tu es le propriétaire, tu es obligé d'avoir toutes les réponses, les solutions, puis de bullshiter quelque chose quand quelqu'un te pose une question parce que tu ne sais pas comment répondre, puis après ça, stresser pour savoir comment tu dis. Regarde, on va s'asseoir à quatre, là, puis on va tous avoir des idées, puis tous avoir des idées. Puis il y en a des fois qui ont des idées qui n'ont pas d'allure parce qu'ils n'ont pas la vision de la... Tu sais, eux autres, il faudrait que ce soit gratuit puis qu'ils soient payés super cher. Pareil, ça ne marche pas, tu sais, ça ne compute pas, mais il y a toujours... À chaque fois qu'on est ici, puis j'ai dit... Je ne sais pas comment régler ça, on a ce problème-là. Je suis toujours reparti énergisé de cette discussion-là et non pas primé parce que je me rendais compte que les autres qui étaient autour de moi poussaient dans la même direction quand tu leur demandes leur aide ou quand tu leur demandes de t'épauler ou de trouver une solution. Puis quand ils font partie de la solution, ils sont toujours 100 fois plus motivés. Fait que c'est pas lourd d'être entrepreneur. Ce qui, tu sais, c'est un bon leader, puis que t'es juste, puis que tu expliques que. Qu'est-ce que c'est, c'est quoi les problèmes de l'entreprise, puis où est-ce que tu veux avancer,
bien, les gens, en général, sont hyper contents de te donner leur temps ou de trouver des solutions avec toi. La dernière affaire, c'est quand tu t'en vas chez vous, tu ne regardes pas tes courriels, puis tu fermes ton téléphone quand l'hôpital est fermé, même si tu dis faut que tu peux garder ton téléphone ouvert si t'es la personne, si ton technique est encore ouverte puis les gens ont besoin de toi, mais tu ne regardes pas tes courriels parce que, anyway, à partir de 9h, 10h le soir, tu ne peux rien faire jusqu'au lendemain matin. Puis tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas stresser dans ton lit, regarder le plafond puis dire comment je vais régler ça demain. Fait que si tu ne fais pas ça, tu as une belle nuit de sommeil, puis le lendemain, tu arrives, puis tu as comme des super bonnes idées, puis tu es prêt à affronter les problèmes de la vie de tous les jours. T'sais. Super! Merci! Écoutez, merci à ces trois panélistes. Je voudrais ajouter que vous êtes trois personnes qui ont une vision et ça se ressent. On sent que vos prises de décision sont guidées par des valeurs et surtout une mission qui, parmi les hauts et les bas de la vie, bien, vous continuez votre chemin parce que vous avez votre propre boussole. Alors, félicitations. Avant de terminer, je voudrais aussi mentionner qu'il y a un petit sondage qui va apparaître sur l'écran. C'est important de le faire, pas juste savoir si vous avez aimé la soirée, mais aussi c'est une possibilité pour le Centre d'entrepreneuriat de déterminer s'il y en a qui auraient besoin de mentorat. Et je pense que c'est de mentorat et peut-être... Vas-y, Hélène, je sens que tu patines un petit peu là. J'aurais besoin d'aide derrière. Ça, c'est Anne. Écoutez, j'ai découvert une maman. À la faculté, nous y avions des mamans. Ben là, ça, c'est Anne qui prend la relève. Alors, vas-y, Anne, parle-nous du... puis, ben moi, regarde, je vais en profiter. Merci à tous. Donc, faites un sondage. Anne, est-ce que... Ben, je vais juste après Anne. Je vais laisser Anne finir. Je vais tout de suite présenter Mme Nada Zogyeb, directrice générale du Centre d'entrepreneuriat, à nous dire quelques mots après Anne. Alors, vas-y, Anne, explique le sondage. Alors, le sondage va apparaître. Vous avez 15 secondes pour répondre à ce magnifique sondage. Et comme a dit Hélène, ça va nous permettre, un, de savoir si vous avez apprécié votre soirée, et je l'espère. En tout cas, moi, j'ai adoré. Et merci à nos trois panélistes et à notre super animatrice. Voilà, le sondage est apparu. Donc, vous répondez directement dessus, ça va très vite. Voilà, je voulais juste vous dire merci. Moi, je vais juste dire ma petite partie mentorat pour moi, puis après Nada va expliquer le centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Juste pour vous dire, comme j'avais dit dans la conversation, on pensait lancer, il y a un programme de mentorat qui vient juste d'être lancé à l'université. On vient juste de faire ça sur simplement trois facultés et une école à l'université. On est en projet pilote, c'est la première saison. Pour la deuxième saison qui va être lancée cet été, nous avions pensé à faire la faculté de médecine vétérinaire avec Karine, qui est ma collègue pour la faculté de médecine vétérinaire et qui s'occupe des diplômés. Moi, je suis pour les jeunes diplômés. Excuse-moi, Karine, j'ai tout scrappé, tout notre déroulé de conversation. Écoute, tu fais tellement bien ça. Vas-y, ma chère, continue. Bon, alors, parce que je profite de cette opportunité mentorat. Ouais. Donc là, juste pour vous dire qu'avec Karine, on s'est dit on aimerait lancer ça pour la médecine vétérinaire. Ça va être lancé cet été. C'est de diplômé à diplômé parce qu'on se dit que pendant vos études de vétérinaire, vous êtes déjà très occupé puis vous n'avez peut-être pas encore une connaissance assez suffisante de ce que vous avez envie de faire comme métier de vétérinaire ou comme spécialisation. Donc, on vous accueillera plutôt pour le programme de mentorat une fois que vous êtes diplômé. Les mentors ont plus de 10 ans d'expérience. Et les mentorés, c'est entre le moment où vous avez diplômé jusqu'à 5 ans après votre diplomation. Donc voilà, mais vous aurez plein de nouvelles là-dessus dans les courants des prochains mois. Je cède la parole à Nada et après Karine conclura. Merci à vous tous. Merci Anne et merci Dr Perras pour la super belle animation. J'espère que vous m'entendez bien parce que là, je vous vois figée. Mais j'espère que vous m'entendez quand même relativement bien. J'ai tout essayé. Alors, je vais faire très court. Super. Alors, c'était passionnant. J'ai beaucoup appris. J'ai posé des questions. Alors, je dirige le Centre de l'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. C'est un centre qui existe il y a 22 ans déjà dans la communauté de l'université. Et je suis certaine, si je fais un petit sondage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le centre.
Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est on est là pour vous et on est là pour vous aider à pousser votre passion qui est l'entrepreneuriat ou même de tâter le terrain. C'est quoi l'entrepreneuriat? De tâter le terrain, de savoir par curiosité, ça prend quoi? Est-ce que j'en ai envie aussi de devenir entrepreneur ou j'ai envie de continuer dans mon métier? Ce que j'ai vu aujourd'hui, et ce qui a été le point commun de tous nos panélistes, mais aussi des étudiants, des diplômés qui étaient avec nous, c'est la passion, les valeurs, la passion. Vous avez la passion du métier, il y en a qui ont la passion de développer d'autres choses, alors venez nous voir, on est là pour vous, on est gratuit, et la gratuité, c'est de la performance aussi, c'est pour vous aider à découvrir quelle est votre passion. J'ai vu des questions qui ont passé, est-ce que je deviens associée, est-ce que je suis mieux de rester employée, comment je fais la conciliation famille et travail, ben, on est là aussi pour vous aider, pour vous entourer. J'adore l'idée que vous avez des mentorats, vous avez des panélistes qui sont là, qui ont tout essayé. Il ne faut pas hésiter d'aller poser les questions, de voir les diplômés et de poser la question où je peux aller trouver de l'aide. Alors nous, on est là pour vous, autant qu'avec Anne et le programme du mentorat, je trouve ça c'est génial parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre de ceux qui étaient déjà sur le marché. Mais je vous dirais aussi de faire de l'échange, échanger entre vous, dites-vous, est-ce que j'ai envie d'échanger, de dire je peux sortir avec d'autres étudiants pour faire un projet ou pas? C'est en vous parlant entre vous que vous allez développer d'autres choses. Docteur Lheureux qui a parlé qu'il y avait moins de passion dans une routine de médecine, mais elle avait plus de passion dans l'entrepreneuriat. Il y a des conciliations à faire, il y a des découvertes à faire. D'autres qui disent, je préfère aller sur le marché pour mieux connaître et évoluer. Oui, ça fait partie. Alors moi, je vous dirais que si vous avez envie de venir découvrir tous ces aspects-là, nous, on vous offre au centre des coachings, des heures de coaching. J'ai des collègues ici, Jonathan, Émilie, Géraldine, on en a d'autres, pour juste poser des questions sur votre projet. Après ça, si vous avez un projet que vous voulez l'amener un peu plus loin, ben on va vous aider à monter tout le projet. Alors, il y a des parcours, autant ça peut aller même jusqu'à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas, on a des parcours spécialisés là-dessus. Alors, nous, on est là pour vous amener des experts, pour vous parler, pour vous donner des ateliers, des trucs utiles et pas parcours académiques. C'est ça la différence au centre. On est là par des ateliers pratico-pratiques pour tenter la chance avec un projet et l'amener plus loin comme un projet d'entreprise ou bien de dire non, je n'ai pas envie, je vais retourner dans mon métier et dans ma passion. Alors, merci Émilie d'avoir partagé notre site web. Vous avez le ceumontréal.ca. Vous avez la plupart des questions sont là. Vous avez nos collègues Jonathan et Émilie qui font aussi des webinaires pour sensibiliser, faire connaître c'est quoi l'entrepreneuriat par des petits moments d'échange avec autant vos professeurs que vous. Alors, je vous inviterai fortement à nous découvrir et de découvrir déjà autour de vous à l'université toutes les ressources que vous avez. Vous en avez énormément et nous, on va faire en sorte que vous allez nous découvrir avec l'aide du réseau des diplômés, Anne et d'autres facultés. Mais on est là pour échanger avec vous. Alors, n'hésitez pas et venez vers vous. Moi, je vais passer la main maintenant à Karine Plouffe, qui est responsable du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal et elle est aussi conseillère aux relations avec les diplômés de la Faculté de médecine vétérinaire, à vous dire quelques mots. Et Madame Plouffe, je pense que vous allez compléter que vous êtes aussi des ressources parce que je vois que vous êtes là à conseiller les diplômés. Vous avez tellement de place à faire, alors je vous inviterai à y aller, à nous adresser quelques paroles. Et je vois mes collègues qui disent allez voir le service de coaching et le service qui va vous guider si vous voulez aller en entrepreneuriat. N'hésitez pas, c'est dans le chat. Alors, s'il vous plaît, découvrez-nous, on est là pour vous. Karine, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Nada. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a vraiment une belle dynamique ce soir. Il y a eu des beaux échanges, puis merci de tout le monde d'avoir été là et aussi aux panélistes, à Hélène aussi, d'avoir participé. En tant que conseillère, mon objectif, c'est de rassembler la communauté ensemble, échanger des conseils, mais aussi renforcer le sentiment d'appartenance. Et on a eu une belle preuve ce soir, puis c'est clair que ce soir, on a ouvert la porte à de beaux événements dans l'avenir. Donc, je vois ça vraiment d'un très bon œil et on va créer de futures possibilités de collaboration ensemble. Donc, c'est vraiment motivant et inspirant.
J'ai regardé tranquillement les résultats du sondage et vu que, ben, pendant la conférence, on avait à peu près 130 personnes. La majorité, c'était des étudiants, donc c'est excellent. Donc, je suis certaine que vous allez être intéressés pour le programme de mentorat. Il y a aussi eu des diplômés, mais vraiment, les étudiants, c'est le groupe qu'on a pu rejoindre en majorité. Aussi, vous avez à 80% aimé aussi notre panel ce soir et ça continue d'augmenter. Donc, ça nous donne vraiment des bons outils pour le futur. Aussi, vous allez voir à l'instant, parce qu'avant de débuter, en fait, de terminer avec les remerciements, il va y avoir à l'écran la liste des événements qui s'en viennent pour le réseau des diplômés, mais aussi pour le centre d'entrepreneuriat. Donc, gardez un œil sur notre site web, nos sites web et les réseaux sociaux pour être à l'affût de ce qu'on offre. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite mention d'un lancement de balado demain. Donc, le réseau des diplômé va lancer sa première saison du balado « Ça a changé ma vie », qui est en fait un balado qui met de l'avant des diplômés qui partagent leur expérience au sein de l'UDM, mais aussi des rencontres déterminantes qu'ils ont eues dans leur parcours. Donc, vous pouvez retrouver le balado sur Google Podcast, Spotify et Apple Podcast. Vous allez voir, les histoires sont vraiment très touchantes et inspirantes. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur le site web pour en apprendre davantage. Donc, j'aimerais, pour les remerciements, dire un merci spécial à Anne Ferré. Bon, vous la connaissez, c'est celle qui s'occupe des jeunes diplômés et des futurs diplômés. Donc, c'est Anne qui m'a amené l'idée qu'elle a développée avec le Centre d'entrepreneuriat et j'ai dit oui tout de suite. Alors, merci Anne pour cette belle opportunité et merci aussi à l'équipe du Centre d'entrepreneuriat d'avoir embarqué avec nous dans cette belle aventure. Merci aussi au technicien Frédéric du GPC qui a tout organisé l'aspect technique ce soir. Donc, un grand merci. Grâce à toi, ça l'a permis de s'assurer que tout l'événement se déroule très bien. Aussi, un grand merci à la Faculté de médecine vétérinaire qui nous a soutenus dès le début de l'événement et qui a aidé aussi dans la promotion de l'activité. Donc, un grand merci. Et surtout, je veux dire un chaleureux merci à nos chers panélistes. Vous avez été extraordinaires. Vos parcours sont super intéressants et inspirants. Et merci aussi à Hélène. Hélène, tu as été extraordinaire. L'animation, superbe. Je trouve que tu as super bien fait ça. Puis, je suis la nouvelle Claire Lamarche du domaine. Et voilà. un Denis Lévesque, mais plus soft. Là. Oui, oui, c'est clair. Félicitations. Puis vraiment, votre vibe là, ensemble, là, c'était très contagieux. Puis j'ai vraiment hâte à faire d'autres collaborations avec vous. Donc, en fait, merci à tout le monde, à tous et toutes d'avoir été présents ce soir. Puis pour conclure, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Puis un jour, on va tous se retrouver en personne. Ça va être extraordinaire. Oui. Ça va être incroyable. Mais l'avantage d'être en virtuel, c'est qu'on peut quand même aller chercher du monde qui n'est pas forcément à Montréal, comme Dr. Sauvé. Et ça permet d'élargir beaucoup nos horizons. Puis moi, je trouve ça formidable. On se donne pas de feu sauvage. Hein? On se donne pas de feu sauvage. J'ai dit, on se donne pas de feu sauvage. C'est pas l'aide, hein, c'est fou. Hey, docteur Sauvé, dites bonjour à toute la famille, docteur Bayargeon, que j'ai vu dans la salle tantôt. Hey, félicitations à tout le monde. Merci. Hélène, Sébastien, Céline, ceux qui organisent, ceux qui travaillent. Félicitations, c'est une belle aventure et merci beaucoup pour l'invitation. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Merci, Roger. Bye, bye. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ah. Oh, chers panélistes et animatrices, si vous pouviez rester deux minutes, le temps que tout le monde quitte, et puis on se remercie. On reste merci beaucoup.